On voit le blog maintenant. Tu montes dans l'avion. Regarde toi derrière, vidéo. Si dans l'avion, tu as une télévision dans l'avion. Hein. Grand maître, il n'y a pas ça. Il sort mon DVD portable. Ah, bien, ouais. Hein, en 2007, bon, maintenant, il n'y a pas tout le monde à DVD portable. 2007, comme elle sort en 2007. Comme elle est petite, elle est petite dans l'avion, mais elle est. Parce qu'entre nous, on se connaît. Quand tu viens de Beng, et puis quand tu viens de States, et puis c'est pas la même chose. Je suis désolé, parce que comme tu veux, c'est pas la même chose. On est assis dans l'avion. Enfin, les Benguis, ils ont vu, ils s'habillent un peu comme les Ivoiriens. C'est vrai qu'ils ont des chaussures classes, des chemises classes, mais ils s'habillent un peu comme les Ivoiriens. Tu vois, dans un peu la mode Ivoirienne, parce que c'est un peu. C'est même culture France-France. Non, français-français. Mais c'était toi, différent. Donc, je suis arrivé là. Les Benguis, mais dans l'avion, même, et même derrière, même quand ils me regardaient, on n'était pas la même chose. Et tu vois, on débarque à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Quand on descend de l'avion, il est baisé le sol Ivoirien comme ça. Comment t'as baisé le sol ivoirien? T'es pas étranger. Il dit, on a dit le tout au pays. Attends, mais il y a tout le pays maintenant. Si c'est les acquis, il y a beaucoup d'acquis, tu vois. Non? Bref. Donc, ma vieille me prend. Ma vieille, c'est, mais elle est soyée souvent. Elle m'a dit, oh, ma vieille, hé, la vieille. Mais on a parlé Balou. Elle a parlé Balou à l'aéroport. Mais il dit, Elle a soulevé son pain, elle a mis par terre. Wouh! Mon fils marche dessus! Bref, la vieille m'a honni, hein, mais c'est pas grave. Elle m'a bombé, ma soeur, elle m'a soulevé, tout et tout et tout. Mon fils qui pleure, elle pleure. J'ai dit, maman, crame. Bref, mon vieux, il était serein, mon beau-père est serein. Il pleut pas, hein. T'es un gentleman. Voilà. Un gentleman. Donc, quand on est arrivé, Joe, on arrive à la maison, il vient un peu que le petit changement à Abidjan. Et puis, il ne sait pas pourquoi, hein, quand tu retournes au pays pour la première fois, là, quand tu es à l'Occident, c'est un truc qui fait mal chaud. Peut-être que tu as trop goûté au froid, ou mais au fraîche. Froid. Voilà, ça m'aide. C'est bien sûr, tu as goûté, tu vois, non? Quand tu as été chaud. Bref. Donc, on arrive. On rentre, ma vie a deux maquilles à Bidjan, un en gris, tout ça. Donc, on débarque en gris là. Et tu viens bonjour, elle m'a dit que le manger avait dit non, je veux manger un kit de nous, tu as fait longtemps. Et toi, genre le maquis. Ah, la vie, j'ai dit, quand tu arrives en Afrique, faut pas dire d'où tu viens. Faut pas dire je viens de Beng. Non. Les gars, non. Erreur à ne pas faire. Astuce pour vous aujourd'hui. Faut pas dire. Les gens vont dire ça pour toi. Toi, tu restes calme. C'est ton bloc était. Et là, par exemple, la vie, elle fait ça. Ça va? Ça, sont les gens qui sont maquillés là-bas, les gars qui connaissent ton temps, les tantis, tu vois, non? Ça va, tu vas bien, Henri? Voilà mon fils. Il vient d'arriver des États-Unis. Et tu vois. Et puis, ton fait. Il dit, hé! Hey! Et puis, il dit, how are you? Oh, mais il est plus bien le tonton. Pourquoi les gens qu'on arrive au pays, vous laissez nous parler anglais? Non, ne faites pas ça. Non. Quand elle a dit « How are you ?» Le matin, elle me dit « Il faut dire « How are you ?» Je dis « Where are you ?» Mais après, elle dit « Non. » Il y a le « Yeah, I'm doing fine, you know what I'm saying ?»« Yo, you know what I'm saying ?» Mais elle dit « Je suis tonton. » Mais elle a une petite coquette assise à côté là. Elle venait de Beng. Elle venait d'arriver après. Non, elle venait de Londres. Elle était arrivée il n'y a pas longtemps. Elle était une petite coquette. Mais tu vois, vous connaissez un Maroc caca, voilà. Elle est assise, elle a des gars qui étaient assis à côté d'elle. Elle dit, tu vois, le Maroc du quartier, elle vient d'arriver, tu vois. Donc, elle voulait parler de façon, hé, hey, ça va? Bah, elle a entendu, il vient des States. Donc, c'est pas la même chose. Habille Londres, c'était, qui dit ça? Comme tu sais qui t'es. Mais il est le même anglais, c'est même pas le même anglais. Donc, elle était la star, tu vois. Moi, elle débarquait, elle dit, ah, ma vieille, dit, ah, tu vois, ça c'est mon fils, il vient des States, hein. Comme ça, vous pouvez vous promener ensemble. Moi, je suis la petite. Elle qui me connaît. C'est ça. Elle dit ça va, elle dit hier. Yeah. Voilà, on va dire oui, on va dire oui. Hier. Hier. Ça va, hier. Yeah. Je vais bien. Yeah. Ah, il dit bon, moi, mon frère. Après, c'est ça. Mais c'est quoi ton numéro de téléphone? On va t'entraver aller choper après. Donne mon numéro. C'est parti. Ha. Mais elle a payé l'ancienne go. La même, quand tu viens d'arriver, t'as pas go. Tu vois, tu viens d'arriver. T'as payé une ex-copine là. Elle dégage chez toi. Oh, mon chéri, tu viens d'arriver. Moukoufa! Rapide, avec un. Mais non, je pense que quoi, tu seras très occupé parce que tu es vraiment te promener à gauche, à droite, voir les tontons, les tontis les matins.
L'après-midi, tu sais, tes gars, moi, tu as mes cousins, et ils m'ont fait une gaufre, dit bon arrivée, tu vois. Dit bon, je n'ai bon arrivée, le maître, c'est une petite, voilà, elle fait mal au bureau. Oh, mec, très mal. Hey, la cousine, hey, j'aime. Chapeau, merci. Hey, t'as bien. Bref, donc, et puis maintenant, il y a les petits gars d'à côté du quartier qui ont grandi, il y a des gars qui ont grandi. Oh, ça va! C'est la grandi quoi? Elle a 5 minutes. Là, ça, bon, que ce soir, on s'attrape. Voilà. Et puis, tu as le vieux prédicateur, il était fan de toi avant quand il grandissait, tu vois. Non, mais là, tu chiais, tu vois. Ça va, on peut s'en pince ce soir, tu vois. Elle dit, ok. Problème avec ça, quand tu donnes rendez-vous à une go, tellement ça, tu viens d'arriver. Il dit que tu viens d'arriver pour la première fois, t'es toutes les go. Toutes les go, le jubilé, c'est quoi? Des mots, tout ce que tu as trouvé. Voilà. Mais la prochaine fois que tu reviens, on appelle ça confirmation. C'est-à-dire que tu viens ta go, tu n'as pas. Tu n'as rien à prouver. Chaque fois, si tu viens, ta go de bang, mais ta go de state. Tu vois, non? Tu n'as rien à prouver. Celui qui te fait baiser, c'est baise. Bon, sinon, toi, tu n'es pas venu pour ça. Hey, tu vois. C'est le premier jour, là. Après, ça, les jubilés. Donc, faut comprendre ça, ma petite. Quand tu donnes rendez-vous à une go, si tu, c'est-à-dire que si tu dois la baiser, pour la baiser maintenant. Parce que jusqu'au soir, si tu as un rendez-vous à 16h, jusqu'à 20h, tu risques d'être dans un autre programme. Hey, tu vois. Si tu te trouves quelque part, tu veux m'oublier celle-là. Il y avait tellement de go à baiser. Mais après qu'elle fait concours, mes cousins disent, bon, vous savez quoi? Cette semaine-là, on va faire un petit concours. Qui va baiser le plus? Ils vous donnent 2 jours d'avance. Non, les cousins disent non. Les gars, c'est en foutaise. Mais ils sont la à longtemps. Mais bon, mon cousin, j'ai un peu, il a déjà des dangers. Il a dit, il prend le concours. Parce que tu avais acheté les ex-copines, ex-copines, les petits goûts du quartier, on dit Mougou, la même goutte deux fois. Et puis, elle était 2 jours d'avance, en 2 jours, il n'a pas Mougou. Et puis, il a pris la relève. Non, 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 bref, il a hormis tout ça, ma petite. Moi, je te dis, le jubilé, c'est ça. Si ton gars s'en va au pays pour la première fois, si tu es parti à lui, d'ailleurs, il ne va même pas te dire, allons-y ensemble. Il faut comprendre. Un gars qui retourne au pays pour la première fois, il ne va pas dire, chérie, allons dans mon pays, je retourne, ça fait 5 ans que je ne suis pas allé, retournons ensemble. Ça, c'est là. Si tu vas au pays pour la première fois, il peut te dire que il va mourir les gars très mal. Moi, je me rappelle ma petite qui t'a dit qu'elle est ici pour partir. J'étais en boîte, disons 4h du matin. 4h du matin, elle est minuit ici. 4, non, même pas 5h du matin. Si on bête, et si on bête, elle est chérie. Tu vois, il sort de la baie comme ça. Il est 5h du matin, pas de matin. Il est minuit, elle vient d'arriver du Diobo parce qu'elle travaille qu'à 23h, le temps d'arriver à venir est minuit. J'appelle, ça va, il dit non, ah, est-ce qu'elle est à la maison, elle n'est pas encore arrivée. Il dit bon, si elle arrive, il faut dire que j'appelais, qu'elle me manque, tout ça, que je suis couché, je viens de me réveiller. Mais il y a la cause, brouf. 5 minutes plus tard, la petite rappelle, ça va, bébé, je vais arriver, je vais aller, je vais aller, bref, donc ma petite, c'est le jubilé qui est là. Il faut comprendre. Il ne faut pas te fâcher. Si tu n'es pas parti à lui ou pas chercher, si tu cherches, tu as trouvé. Si tu cherches, tu as trouvé. Et si tu trouves, bon. Si tu as un tuce pour casser son cou, viens à la radio. Je vais te donner ça. Mais non, si bon. Voilà quoi. Voilà, donc c'est ça, le jubilé. Quand un gars retourne au pays pour la première fois, il faut lâcher l'affaire. Quand c'est une fille qui retourne pour la première fois, il faut te dire qu'il y a 7 des gars qui sont là-bas. Ils sont là-bas pour attendre pour la briquer. Maintenant, si elle va se tromper ou pas, en général, les filles ne le font pas. À moins que ta go, c'est une guébelle, bordel, toutou, hirondelle, à ton hopper. Voilà. Tu vois, non? Sinon, nous, les garçons, forcés, je ne connais pas un. Je ne connais pas un. Je cherche. Voilà. Donc, voilà quoi. Le grand met en action, hein. Toi-même, tu sonnes de retour. Bad boy, baby, you know how we are. Alhamdulillah, ça va aller. Peace out, one.